Au fur et à mesure des années, Vita et Diane sont toujours affichées une amitié sans faille. Même si leurs carrières ne sont plus les mêmes qu'auparavant, suite au retrait médiatique volontairement souhaité par l'ancienne rappeuse, les deux femmes trouvent toujours le moyen de se retrouver. Et en ce jeudi 13 avril, ces dernières ont dévoilé une rare photographie de leur dernière réunion en date. Un joli moment que l'interprète d'Avant Toi, en featuring avec le chanteur Slimane, a révélé dans sa story Instagram. En effet, en cette période de Ramadan, un mois de jeûne pour la communauté musulmane, Diane et Vita ont pris le soin de capturer leur retrouvaille. Sur ce cliché, on peut ainsi apercevoir les deux femmes volontairement placées de dos à la caméra. Toi et moi et cinématique, a d'abord écrit la chanteuse de 40 ans, avant de conclure son message, Dieu est grand. Une déclaration touchante qui témoigne à quel point leur amitié résiste aux aléas de la vie. Supérieur à Diams, Clément Rémien. Ils ont retrouvé du travail après la célébrité Diams, sa belle déclaration à son ami Vita le 27 janvier dernier, Mélanie Georgiade de son vrai nom s'était saisie de son compte Instagram afin d'organiser une petite séance de foire aux questions à ses abonnés. Des questions qui étaient exclusivement liées à son dernier documentaire, Salam, paru sur la plateforme Prime Video, en novembre 2022. Seulement, un internaute lui avait rapidement posé une question sur Vita afin de savoir si son ami l'avait dit quand elle se sentait mal. Une question touchante à laquelle Diane savait accepter d'y répondre. J'aurais tellement à dire sur elle. Ce matin encore on s'écrivait l'amour que l'on se porte, avait-elle fait savoir, heureuse, précisant sur leur amitié qu'elles se connaissent et se soutiennent depuis qu'elles sont très jeunes. Crédit photo, Dominique Jacovide.